La Bible donne une précision. Il prend son vol pas comme n'importe quel oiseau, mais comme l'aigle. La particularité avec l'aigle, ce qui fait la qualité et la différence dans son vol. Moi, j'ai remarqué deux choses. Mais j'avoue, je ne connais pas tout. Peut-être toi, tu connais mieux que moi. Deux choses. Première chose, la hauteur. Il vole très haut. La deuxième chose, c'est ce que tu sais. La vision. Il voit loin. Ces deux choses-là. Hauteur et vision. Dans l'auteur, il y a deux choses. Tu m'entends? Deux choses. J'admets que je t'ai dit beaucoup de choses en peu de temps. Je sais que Dieu vous a donné beaucoup d'intelligence, les gens de Bethel. Quand on parle de hauteur, premièrement, on passe au-dessus des obstacles. Tu vois? Souris. Quand il arrive ici, il doit contourner. L'oiseau, il arrive là. Il monte un peu. Et il passe. Tu vois la différence? L'avantage pour celui qui est haut, c'est qu'il passe au-dessus de tout. Au-dessus de choses. Est-ce que tu peux être mon extension, dire à la personne qui est à tes côtés, passe au-dessus de certaines choses. Non, olobi na été, oloba yo moko. Oh, dis-lui, oh, passe au-dessus. Yebisaye, passe au-dessus de toutes choses. Écoute-moi. Yo kangal. Savoir passer au-dessus de certaines choses, c'est la qualité de l'aigle. L'autre, quand il arrive ici, Akuti Libaku, Abandio Swana, Abandio Finga, Abandio Loba Loba. Tu vois? Mais l'aigle ne perd pas son temps. Tu vois la différence? L'aigle, lorsqu'il y a des obstacles, il n'a pas le temps pour des réunions. Plus l'obstacle est élevé, plus lui aussi va s'élever. Il monte plus haut. Moi j'appelle ça, ah, je regrette parce que nous avons j'ai pas de choix. Moi j'appelle ça l'attitude royale. Kosala ya kibokonzi. Yes. Kibokonzi to bengon kabo. Kibokonzi. Ah, l'attitude royale. Kibokonzi. Tu peux écrire ça aussi. Okokomango. Une attitude royale. Esale ya kibokonzi. Une attitude royale. Esale ya kibokonzi. Savoir passer au-dessus de bassesse. Tant que tu seras encore dans la catégorie de ceux qui s'échamaient avec les protocoles dans les églises, c'est que tu n'es pas encore un aigle. N'importe quoi dans ta famille, toi tu dois chercher des gens, tu dois commencer à insulter. Tu vas vite. Il
Il te manque une seule chose pour devenir grand. L'attitude royale. Dibokondi. L'attitude royale. On ne se chamaille pas. On ne répond pas aux provocations. On passe au-dessus. Comme des aigles. Lorsqu'on voit quelqu'un en train d'essayer de constituer son obstacle, tu te lèves plus haut. Tu n'as pas le temps pour de bassesse. Tu n'as pas le temps. Comporte-toi comme un roi et le ministère des anges sera puissant dans ta vie. Dis avec moi, attitude royale. L'attitude royale. Un roi marche comme un roi, vis comme un roi, parle comme une reine, bouge comme une reine, réagis comme une reine. Tu n'es pas n'importe qui, tu as de la valeur dans le ciel. À partir d'aujourd'hui, on va reconnaître ceux qui sont dans mon groupe spirituel par l'attitude royale. Vous pouvez tout revoir au www.moisembieministries.com.